Eh bien salut les amis, c'est Kervendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yokawash Wibble Wobble. Et c'est un épisode du Bingo Kai et vous le voyez, j'ai acheté de l'argent. Alors je vais vous expliquer, j'ai acheté de l'argent, ça fait bizarre, non j'ai acheté de la Y monnaie. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté de la Y monnaie. Déjà parce que cette semaine, au Bingo Kai on peut avoir le grand Enma. Et le grand Enma, bon, je m'en moque un peu de ce Yokai, mais si je l'ai, je peux avoir 400% de score en plus pour débloquer au score attaque Enma éveillé. Et lui je le veux par contre. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous faire un épisode du Bingo Kai cette semaine. Et pourquoi la semaine dernière je vous ai dit oui mais bon j'aimerais bien avoir j'ai pas envie de mettre de l'argent, j'aimerais bien avoir des méthodes pour réussir à avoir des pièces Y sans payer. Et en fait, vous avez été beaucoup à me répondre dans les commentaires, à me donner beaucoup d'astuces, et donc vraiment merci à certains. Il y a même une personne qui m'a donné un très long commentaire. Je ne me souviens plus de son pseudo, mais merci à toi parce que c'est exactement la technique qu'il me faut. Avec des mots fâches, fleurpants, etc. Vipère avait commencé à me l'apprendre cette technique, mais sur Twitter, il n'y avait pas assez de caractère, j'ai pas tout à fait tout compris, toutes les étapes. Et toi tu me l'apprends très bien. Donc je vais respecter cette tactique. Mais en fait. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi matin. On est lundi matin 29. Je sors mes vidéos toujours le dimanche. Et donc la vidéo dans laquelle je vous demandais une technique, elle est sortie le 28. Donc moi, j'ai pas eu le temps en fait de gagner de l'argent grâce à cette technique. C'est-à-dire que cette technique, je vais la faire. Mais en fait, malheureusement, j'ai pas pu encore la mettre en pratique. Et comme Lord Enma éveillé, on a plus que quelques heures. Parce que moi, en Thaïlande, on est lundi matin. Mais en fait, le dimanche, hier, c'était le dernier jour pour avoir Enma éveillé, sauf que c'est aux horaires américaines. Donc pour moi, c'est toujours le cas, mais il me reste que 2 heures. Donc, j'ai pas le temps de farmer, j'ai pas le temps d'essayer d'avoir de la Y monnaie comme ça. Mais merci à vous pour vos techniques, je pense que c'est le dernier épisode du Bingo Kai que je fais en payant. Je pense que tous les prochains, je les ferai grâce à votre technique. Et donc pour ça, merci à vous. Si vous avez toujours des tips pour gagner de la Y Money facilement dans les Kawash Wibble Bobble, eh bien n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça pourra toujours aider des gens. En tout cas, moi, j'attends votre soutien pour cette vidéo, parce que j'ai quand même dépensé 100$. Donc attendez, pour l'instant, j'en ai pas utilisé 100, j'en ai utilisé 80. Mais là, je vais en réutiliser 16 de plus. Et donc voilà, j'attends votre soutien pour cette vidéo, mais... Ce que j'attends surtout, et ça c'est pas vous qui pouvez me le donner, hein, mais... Ah non, faut que je remette mon code. Et bien voilà, l'argent est ajouté. Alors ce que je voulais dire, ce que j'attends réellement, et ça malheureusement c'est pas vous qui pouvez me le donner, c'est de la chance. J'espère vraiment que je pourrai avoir Enma. Il y a pas que Enma qui m'intéresse. Enfin déjà, il y a un truc intéressant parce que j'ai réussi à avoir Noko. Enfin, Panda Noko. Voilà, très bien. Panda Noko. Est-ce qu'il me servira? Non, parce que Panda Noko c'est un rang E. Donc les rangs E, on en a un petit peu rien à faire. Je peux vous le montrer si vous le voulez. Ah non, c'est un roi. Pandanoko est un roi. Quoi? Mais depuis quand? Attendez, mais j'ai eu faux sur toute la ligne. Pandanoko est un rang A et en plus il permet d'avoir plus d'argent. Ouais, mais je sais pas si ça vaut le coup. Attendez, c'est un bienveillant ou pas? Bienfaisant? Non, bienveillant. Cette fois je l'ai bien dit. Ouais, ça doit être ça. Non, c'est pas un bienveillant. Voyons voir, c'est un quoi? Ok, c'est un insaisissable. Alors, ouais, il permet d'avoir plus de Y money, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup? Je verrai. Je verrai. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, je ne pense pas, on verra. En tout cas, il est mignon. Et c'est le premier jeu Yokawash dans lequel je peux avoir Pandanoko. Donc ça se fait, hein, non? Donc voilà, j'espère en tout cas que j'aurai de la chance, mais comme je voulais vous, comme je vous le disais, je ne suis pas obligé d'avoir Lord Enma, parce que, en fait, il me faut soit Lord Enma, soit Zazel. Parce que Zazel, il a un bonus de score pour capturer le yokai au score attaque de la semaine qui vient. Donc si j'ai l'un ou l'autre, c'est très bien. Enfin, quoi que... Zazel Righteous... Zazel droit, je crois que ça veut dire ça, Zazel droit, et bah je sais pas ce qu'il vaut, on verra. En tout cas nous les amis, regardons, mission, ok j'ai fini quelques missions, rien de bien ouf, mais ça nous fait des pièces en plus, donc sans plus attendre parce que je parle, mais on perd du temps sur la vidéo les amis, on perd du temps, donc allons-y, déjà on va jouer ces pièces là, comme d'habitude on commence l'épisode du Bingo Kai avec du...
du nul, du très nul, quoi. On s'en moque de ce qu'on va avoir. Là, je passe les animations, hein. Je vous le dis, là, dans tous les cas, on va rien avoir de très intéressant. Mais ça nous permet, comme je le dis à chaque fois, mais je le redis pour ceux qui débarquent, ça nous permet de vider le bingo kai. Et donc, c'est plutôt pas mal. Ok, lui c'est nul, très bien. C'est nul comme tous les trucs que les pièces 1 étoile vont nous donner. Les pièces 5 étoiles, elles vont peut-être nous donner un truc un peu mieux, mais les pièces 1 étoile, ça va forcément être nul, hein. Ça c'est obligé. En tout cas les amis, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. N'hésitez pas à partager cette vidéo, histoire que ce soit beaucoup vu, que je n'ai quand même pas dépensé autant d'argent pour rien. Non mais c'est pas grave, dans tous les cas, on croise les doigts. Il me faut ce Enma. Si j'ai Enma, je pense qu'après c'est assuré. Au score attaque, je suis presque sûr de pouvoir avoir Enma éveillé. J'aimerais beaucoup l'avoir Enma éveillé. Ce serait... Il paraît qu'il est bien. Après, je sais pas s'il est vraiment si bien que ça, mais vous m'avez dit quand même que... Voilà, c'était un bon yokai, donc... on va essayer de l'avoir. Ok, Shipper Pew, c'est très nul aussi. Surtout que c'est yokai, mais quand est-ce qu'ils vont arriver niveau 7, quoi? Ça prend une éternité, c'est incroyable! Ça arrivera peut-être un jour, on ne sait pas. Ouais, d'accord, salle de bain. Salle de bain qui va bientôt passer niveau 5. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Ça, la pièce... Enfin, les deux pièces bleues. Et d'accord, nihilistique. Oh, nihilistique, qui est niveau 6 sur 7. Donc oui, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Ensuite, la dernière pièce bleue. On va jouer les pièces 5 étoiles en dernier. Hein. Bon, lui, c'est Tengubre. Mais bon, pareil, hein, on s'en moque un petit peu. Alors, voyons voir les pièces frissons. Je crois que c'est ça en français. Il y a un épisode sur deux où je sais le nom des pièces Swill en français. Et un épisode sur deux où je l'oublie. Et je crois que c'est ça, les pièces frissons, il me semble. J'aimerais bien qu'ils mettent les pièces des yokai voyageurs. Vous savez, bah ouais, les pièces voyageuses, les pièces voyageurs, je sais pas comment elles s'appellent. C'est bien ça, les pièces de Yuka Watch 2, là. Les pièces qu'on peut avoir qu'avec le QR code. Je sais pas du tout. J'ai oublié. Bon. Ensuite, deux pièces mystérieuses. Allez. Et on a... Ok, Lavalord. Lavalord, il me semble qu'il débloque un saut du médaillium. Donc, j'ai été content de l'avoir la première fois que je l'ai eu. Maintenant, je m'en moque. Et encore la Valord. Très bien, super. Yeah. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, Whisper. Yeah. Bon, maintenant, les pièces Cheerful. Voyons voir. Et c'est Contrarioni. C'est nul. Ok, continuons. Plus que deux pièces comme ça, et après on passe aux pièces 5 étoiles. Les pièces 5 étoiles, ça peut me permettre d'avoir le yokai qui me manque pour avoir Gorgouille. Hein. Après Gorgouille, disons que plutôt dans le jeu, j'aurais été content de l'avoir Gorgouille. Parce que c'est un rang S qui est certainement fort. Et là maintenant, j'en moque un peu de Gorgouille. Hein. Entre nous, j'en ai un petit peu rien à faire. Même si ça me permettrait de compléter mon médaillium, donc c'est toujours sympa. Alors, allons-y les amis, c'est parti pour les pièces 5 étoiles. Qu'est-ce qu'on va avoir de nul? Et on commence par... Wow, Coléoptère, c'est très nul, très très nul. Qui passe au niveau donc 6 d'âme ultime. Donc c'est plutôt moyen nul en fait, ça va. Et là, ok, très nul aussi. Bon. Continuons. Plus que 5. Moi je vous dis, on va rien avoir. Avec les pièces 5 étoiles, on va rien avoir. C'est obligé. Non mais attendez, Contrarioni avec une pièce 5 étoiles quoi. Enfin, ridicule. Ridicule. Allez. Jouons celle-ci. Et on a. Encore Contrarioni! Bah dis donc. Il nous aime bien. Hein. Il nous aime bien. Je vérifie que ça enregistre toujours. Hein. Alors. Ok, plus que 3. Et là on a... Ok, non, je me disais si on avait encore Contrarioni, là par contre, ça aurait quand même commencé à faire beaucoup. Donc, Nuit Roir. Ok. Là, je suis juste content de l'avoir parce qu'il est bientôt niveau 7, mais bon. Et... Ah bah, je ne sais pas. Viperflay? Peut-être Viperflay. Je ne sais pas les reconnaître, les 3.
Je ne sais pas. Il y a Viperflay et il y en a deux autres, mais je sais plus leur nom. Voilà. Donc la dernière pièce est. Oh! Impossible! Comment elle s'appelle déjà? Insomnel? Non, c'est pas Insomnel, c'est l'autre Insomnel. Bon, je ne sais plus. Alors, avant de jouer au Bingo Kai, je voudrais faire un truc que je n'ai jamais fait. Mais peut-être que ça change quelque chose. J'en vois déjà venir dans les commentaires et me dire « Mais ça change rien pour le Bingo Kai! Qu'est-ce que tu fais, Kirbendo ?» Je sais pas, j'ai envie d'essayer, voilà. Je vais mettre 100 pièces là-dedans. Ok. Eh ben, je ne sais pas si ça change quelque chose. Comme je vous l'ai dit, j'en sais absolument rien. On va revenir sur la map où on était, juste parce que j'ai envie d'avoir la musique de fond, en fait, du Phantom Heart. Elle est pas exceptionnelle, mais bon, comme ça, c'est avec chaque épisode du Bingo Kai a une musique de fond différente. Donc, c'est parti, les amis, c'est le moment. Là. Attendez, d'abord. Voyons voir le contenu du Bingo Kai. Quoi? Ah, il change, d'accord. Hein? Ils ont écrit tout un truc maintenant? Donc, quand on est en fever, on a 3,3% de chance d'avoir un rang SS, 65% d'avoir un rang S et que 25% d'avoir un rang A. C'est rien du tout, alors pourquoi j'ai que des rangs A quand je suis en fever? Je ne comprends pas. Ok, et Enma, maintenant, il y a 10% de chance de l'avoir. Attendez. Ah, mais c'est en fever. Ok. Donc non, c'est pas ça que je vais faire. Donc non, 10% fever c'est beaucoup. Voyons voir en normal. En normal, on a que 1% de chance d'avoir un SS. Pas beaucoup hein. Donc, voyons voir Enma, là on a combien de chances de l'avoir? On a que 1%. Ça fait qu'il me faudrait 100 tirages pour l'avoir quoi. Bon, on va pas commencer à se déprimer les amis. Ah, on a plus de chances d'avoir des rangs A que des rangs B. C'est très bizarre, mais pourquoi pas. Et Zazel, on a que 0,46% de chance, quoi. Bref, les amis, c'est le moment de laisser plein de pouces bleus à cette vidéo. Et nous, on y va, c'est parti. Donc, est-ce qu'on va avoir les yokai que je veux? Je ne sais pas. Eh bien non. Non mais c'est une blague! On commence pas par la valeur, de quoi? Vous rigolez? La valeur, on l'a déjà eu deux fois. Bon, charge la fever. En tout cas, je pense que je l'aurai durant la fever, par contre. On est... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je dis qu'il y a moins de chances d'avoir des rangs B que des A, et là, qu'est-ce que j'ai eu? Deux rangs B d'affilée. C'est quoi cette malchance qui me colle à la peau, là? Allez, on continue. Non, c'est nul. Ok, Et comment elle s'appelle en français? Ornella, non, Ornella c'est quand elle est petite, non? Oh, je sais plus comment elle s'appelle en français. Toiletta? Non. Bon, je sais plus, Bref. Ce ne sera... est-ce que ça peut être un S dans une rouge? Je sais plus, je sais jamais. Ça peut être un A, je sais. Oui, ça peut être un S, je pense. Enfin, c'est rare, mais... Peut-être que oui, Alors, voyons voir. Non, c'est très nul. Ah, quoique. Ah, je l'avais pas encore. Et il donne plus de chances de devenir ami avec les yokai. Donc, pourquoi pas, d'accord. Est-ce que c'est le destin qui nous a réunis? Peut-être. Ok. Alors, ça n'a aucun sens, parce que dans Yokai Watch 1 et 2, son talent, c'est de nous donner moins de chances de devenir ami avec les yokai. Mais dans Weeble Wobble, il nous donne plus de chances. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ça n'a absolument aucun sens. Ouais, vas-y. Donc là, on va avoir un rang A. Vu ce qu'il nous dit. Ah non, on a un rang B. Ok, d'accord. Très bien. Non mais, pour le moment, par contre, la chance, elle est pas encore là. Hein. Elle va peut-être arriver, mais là, elle est pas là. Hein. Allez. Ouais, d'accord, tu peux sentir son pouvoir, très bien, et... Non mais, attendez, c'est une blague. Too much to take. Je sais même pas d'où il sort, ce yokai. Enfin, si, Yokai Watch 3, mais... Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce yokai? Alors là, les amis, une chance sur 10 d'avoir Enma. Une chance sur 10, bon sang! Allez! Une chance sur 10, c'est énorme. Je remets mes cheveux. Peut-être que j'aurai plus de chance en remettant mes cheveux. Non, ça n'a absolument aucun rapport. Alors, allez.
pas en A, hein. Non mais quoi? Mais c'est quoi la blague? Mais c'est quoi cette blague? Quel était le pourcentage de chance que j'ai si Yokai? Attendez, je veux juste vérifier. Quel était le pourcentage de chance que je me retrouve avec ce Yokai? 3%! 3 petits pourcents, quoi! Et... Ah, mais c'est quoi ce délire? Bon. Allez. On continue. Oh! Decidevibol? Et ça va peut-être vous surprendre, mais je le trouve stylé, ce yokai. Il est marrant. Alors, oh, quelle chance tu as eu de m'avoir. Tu auras l'honneur de ma compagnie à partir de maintenant. D'accord, bon, par contre, c'est un rang A, hein. Je m'en moque de l'avoir. Mais ok, d'accord. Non, je l'aime bien, ce yokai. Il sera dans Yokai Watch 3, j'en suis presque sûr. Donc vu que c'est un rang A, il fera peut-être partie de mon équipe à un moment, si c'est pas un yokai rare. Parce que si c'est un yokai rare... Bon. Ok, too much to take, encore, si vous voulez. Mais attendez, me dites pas que ça va être encore le bingo kai de la malchance, quoi. J'ai l'impression d'avoir déjà dépensé énormément de pièces. Ça va trop vite avec ce bingo kai, c'est n'importe quoi. Et non mais non! Ils font que de me redonner des yokai dont on s'en moque en fait de ces yokai. Parce que les événements dans lesquels ils ont été utiles sont passés depuis longtemps. Et en fait, eh ben, ils reviendront pas ces événements donc... Ok, robot Draco. Que j'ai déjà, un robot Drago. Oui. J'ai hâte d'être à la fever suivante. Même si la fever ne veut rien dire, hein, une chance sur 10, c'est pas sûr, hein. Bon, par contre, j'ai vraiment, vraiment pas beaucoup de chance, hein. Ok. Très bien. Continuons. Je pense que j'aurai que 3 fever. J'en aurai pas plus, malheureusement. Vu le nombre de pièces que j'avais. Ok, alors maintenant que je l'ai eu une fois, ils vont me le sortir en boucle, ce yokai. C'est obligé. C'est obligé. Donc d'un coup, je vais plus l'aimer du tout. Alors qu'avant, je l'aimais bien, là, je vais commencer à le détester. Ouais. Yusapion, je l'ai pas en plus. Ah si. Si, si, je l'ai. Bah, j'ai dû l'avoir au Bingo Kai, alors. J'ai dû l'avoir au Bingo Kai. Ok. Allez. Et en plus, il faut qu'il me reste des pièces, parce que Lord Enma, je vais être obligé de l'XP. Donc si j'ai aucune pièce et que je l'ai, ça va pas être bien. Oh là 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 là. Elle, il l'aime bien. Il me la donne beaucoup depuis le début de ce live. Donc prochain coup, on est à la fever. Allez. Ouais. Très bien. Ok, Auvergnan. Auvergnan, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu d'ailleurs. Et voilà. Là, c'est la fever. Bon, une chance sur 10. Allez, les amis, mettez des trèfles dans les commentaires et laissez-moi des pouces bleus. Ah, j'y crois pas. Allez, allez, allez. Non, c'est quoi ce Yokai Pandora? C'est quoi ce truc? Je m'ennuyais. Donc, j'ai ouvert la boule du Bingo Kai moi-même. Et j'en suis sorti. Donc, je t'exige de devenir mon... Enfin, je t'ordonne de devenir mon ami. Elle rigole. J'ai dépensé 4500 pièces pour te sortir de là. Alors non, c'est pas toi qui t'es sorti toute seule. Ce sont mes pièces gagnées à la sueur de mon front. Bon, allez. On va pouvoir refaire une autre fever, mais... Je ne sais pas si cette fever nous permettra de l'avoir. Ok. Espi. Non, c'est pas Espi. C'est quoi son nom? État Civil. Ah non, c'est pas État Civil vu qu'elle est rouge. Ça doit être la version rare d'État Civil que je ne connais plus. Ok. On nous donne vraiment des trucs pas super là. Bon, en tout cas, j'ai eu quand même des bons yokai, hein. J'imagine que le rang S que j'ai eu, il était pas si mal, hein. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Allez,
Oh, ok. Ok, j'ai cru que ça allait être Enma qui allait en sortir. Est-ce que c'est bien ça? Bah, c'est peut-être bien en fait. C'est bien si j'arrive à devenir ami avec le yokai qui en sort. Donc, on essaiera de faire ce combat à la fin de la vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aime? Je n'en sais rien du tout. Ouais. Bon, ça se trouve, c'est bien. Mais on verra ça à la fin de l'épisode. Ok. Je sais même plus son nom, à elle. Ah, on arrive bientôt à la fever. J'espère que j'aurai assez de pièces, hein. J'espère. Oh là 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 là. Lava Lord. Comment il s'appelle en français? Lava... Lava... Je ne sais pas. Quelque chose. Alors... continuons. Ouais. Non. Lui, je l'aime plus. Je l'aime plus. Voilà, je ne t'aime plus. Ne viens plus. Ne viens plus. J'ai changé d'avis. Alors, attendez, j'aurai assez d'argent pour jouer la fever? Peut-être pas, hein. Si j'en ai pas assez, je ferai quelques niveaux pour avoir assez d'argent, parce que sinon, ça va pas le faire. Ok, très bien. Ouais, parce qu'en fait, il va falloir encore deux coups si j'aurai juste assez d'argent. Je crois, hein. Voyons voir. Oui, d'accord, tu peux sentir son pouvoir, très bien. Et c'est Shobonian, que je n'avais pas. Merci, mon ami. Tu as réussi à me sortir de là. Oui, effectivement, d'accord. Donc c'est Robonian, mais Robonian version Amérique. Donc, je sais pas. Bon, voilà, c'est un Robonian rang A, quoi. Donc, ça n'a rien de oufissime. Voyons voir. Ok, too much to take, c'est vraiment too much, là, j'en ai marre de l'avoir, lui. Allez, les amis, là, c'est la fever. La dernière fever, le dernier tirage. Donc c'est là qu'il faut vraiment croiser les doigts et que je vais pleurer. Allez. Encore Pandora. Non. Bon les amis, au moment où j'ai hurlé, le jeu a crashé, c'est pas grave, de toute façon on l'a vu, j'ai eu Pandora, on s'en moque. Quoique, attendez, je voudrais juste aller voir ce qu'elle fait, Pandora. Enfin, on va voir les yokai qu'on a eu, quoi. Alors, Shobonian, ok, il explose et donc ça réarrange ses 8 bois, parce qu'elle est nul. Pandora, elle attaque un ennemi directement. Ouais. D'accord, bah c'est pas mal, mais bon, j'ai déjà un yokai qui fait ça très bien, donc... Et Deci Devi Ball, il augmente l'attaque. D'accord, pas mal. Pas mal, d'accord, ok. Donc lui, on sait ce qu'il fait, s'attendre, hein, il augmente l'amitié. Ok, d'accord, très bien. Bon, alors là, c'est l'équipe que j'ai prise. Avec cette équipe, je vais essayer de devenir ami avec Melonian. Je ne sais pas si ça va le faire, mais ça sauverait l'épisode quand même, parce que Melonian, c'est un yokai qui est pas mal. Donc voilà, j'ai mis 3 yokai au talent sympathie. Puis là, ouais, je m'en moque d'avoir ce yokai en plus. J'aimerais bien... Ouais, non, bon, je vais garder ça comme ça. Ouais, je devrais peut-être quand même mettre genre Koalanian, quoi. Ouais, parce qu'au cas où, histoire que je perde pas trop de fois quand même, faudrait pas que je meure trop contre le boss, quoi. Et alors, il y a un truc qui s'est passé aussi. Comme j'ai eu Shobonian, maintenant, je peux acheter des chocobars, enfin, des barres de chocolat premium au magasin. Pff, très bien. Bon, alors, allons utiliser notre objet. Voilà. Oui. Ok. Il aime le lait, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc... C'est ça, hein. Ouais, il aime le lait. Alors, j'ai qu'une chance pour le battre. C'est-à-dire que si je le combats et que je deviens pas son ami, c'est fini. Il faudra que j'ai un nouveau melon pour pouvoir le recombattre. Donc, eh ben, souhaitez-moi bonne chance. Allez. Je sais, quelque part en moi, j'y crois pas du tout. Mais il y a un petit truc tout au fond de moi qui veut quand même espérer. Allez. Parce que c'est un rang SS, quoi. Donc, c'est super difficile de... C'est quoi cette musique? C'est quoi cette musique? Ah là 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 là, c'est trop bizarre. Bon, alors... Ok, c'est pas grave si je meurs, hein, bien entendu. C'est pas grave du tout.
Alors. Ok. Par contre, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de Colanian quand même, parce que je veux pas le tuer. Ça, c'est. Bah, je veux le tuer, mais pas tout de suite, quoi. Ok, très bien. Ça, on l'utilise une première fois. Allez. On peut utiliser trois fois normalement les allumes ultimes de chacun. De chacun des yokai qui augmentent l'amitié. C'est comme ça que ça marche. Ok, vas-y. Ok, lui on peut l'utiliser aussi. Je vais mourir, c'est sûr, mais c'est pas grave que je meure. Si je meurs, tout ce que je fais, c'est que. Bah, je fais continuer, quoi. Alors. Ok, on peut l'utiliser. Ensuite, on l'utilise, lui. Là, on va retirer eux avant que je les fasse grossir. Ouais, très bien. Ok, on réutilise lui. Qui on peut continuer d'utiliser là? Je crois qu'on peut toujours tous les utiliser pour le moment. Ok. Alors, lui, on peut le réutiliser. Cupistol, il va falloir le recharger. Ah, la fever. La fever, faut que je fasse attention, quoi, parce que la fever, je risque de lui faire trop de dégâts. Donc on va faire attention. Ah, lui, je peux plus le charger. D'accord, lui, je l'ai trop utilisé. Ok, d'accord. Bon à savoir. On utilise lui. Ensuite. Ok. On va pouvoir utiliser ça, très bien. Quoi, ça ne suffit pas? C'est quoi la blague? Bon, voyons voir. Ok. J'ai pas chargé ce que je voulais. Malheureusement. Je vais le tuer. Attendez, je lui ai bien donné à manger, hein. Et je lui ai bien donné à manger. D'accord. Je charge le mauvais, là. Ça, là, on va pouvoir charger. Je vais mourir. Je vais mourir, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok, on peut utiliser lui. Et on peut utiliser... Ok, je suis mort. Mais je continue. On joue pas en condition genre où on peut pas continuer. Donc, très bien. C'est lui. Et là, j'ai tout fait, non? Je crois que j'ai tout fait, là. Ouais, là, j'ai tout fait. Donc, je peux m'amuser à charger une fever, si on veut. Enfin, je l'aurais peut-être tué avant, mais bon. Voyons voir. Ok. C'est bon, on est en fever. Ça ne sert à rien. Mais c'est pour le fun. Ok. Vas-y, slurpant. Ok, bon, je vais pouvoir faire plein de slurpants. Ça sert à rien du tout. Mais c'est sympa. Donc ça, on va peut-être gagner quelques points. Là, ça va être pas mal de slurpants. Normalement, qui grossissent. Ouais, c'est bien. Ok, encore slurpant. Allez, je vais faire au moins 10 000, quoi. Je joue même pas avec mon équipe. Et pourtant... Ok, vas-y, Koalanian. Ok, là, il a rien détruit, mais bon, ok. Allez, deviens mon ami. Oui, les amis, c'est bon. Je suis ami avec Melodian M. Oh mon dieu. Du premier coup, c'est la première fois que je le combattais. Oh là là, il y a un énorme crachat sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave. On n'a rien vu. Alors, ça a bien sauvegardé. On est d'accord. Oui, bah vas-y, je m'en moque qu'il augmente de niveau, je m'en moque. Oh, tu as des goûts délicieux, bah tu as des goûts exquis, je t'accepte comme ami. Oh là 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 là, alors ça, je crois que c'était le yokai qu'il fallait dans mon équipe. Je vais vous le montrer, je le mettrai à la place de Dunéophage. Je suis trop content, oh mon dieu. Bon, alors, donc si je veux refaire une équipe bien comme j'avais fait avant... il faut remettre par rang, enfin, c'était plutôt par niveau, mais bon. Ben, il me faudrait Folion SS, mais Folion SS, je l'ai pas encore. Voilà, ensuite on met Mystérieux, c'est ça? Non, il est pas mystérieux. Parce que lui, il fait combien d'attaques? Il fait 54, et lui, il fait combien? Il fait 19, c'est tout? C'est tout? Il fait que 19? Non, mais non, quoi? Il fait que 19? Attendez, y a un bug, non? Il fait vraiment que 19? Attendez, s'il fait que 19, je peux pas le garder dans mon équipe. Non, il peut pas faire 19, c'est pas possible. Bon, attendez. Donc déjà, il y avait
Il y avait lui dans mon équipe et il y avait qui à la place de s'attendre? C'était un booster de score, mais c'est qui? Mince, qui était à la place de s'attendre? J'ai un gros trou là. Attendez, on va faire par niveau tout. Ah, c'était lui. C'est lui, non? D'accord. Oui, c'était lui. Donc 77, 71, 89. Attendez. Donc lui, il est niveau. Enfin, il fait 19. C'est très nul. C'est très très nul. Mais le jeu a crashé. Ça a quand même sauvegardé mon équipe malgré le crash. Donc, ce que je voulais dire, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai oublié ça, très bien, merci pour les pièces. Bon, finalement, cet épisode n'aura pas servi à rien du tout. Ce que je voulais dire, oui, c'est... Donnons-lui un boost d'Amultime. Voyons voir ce qu'il arrive quand il arrive au niveau d'Amultime suivant. Ok. Voilà, très bien. J'ai pas mal de livres d'Amultime, donc c'est pas grave. C'est pas grave de l'utiliser. Voyons voir ça. Il passe à 34, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, donc j'imagine que niveau 2, il doit aussi passer à peut-être 50, quelque chose comme ça. Donc non, en fait, c'est bien, parce qu'en plus de ça, ce Yoka, il a la particularité... Ok, d'accord. Ah, c'est pas vraiment Fureur du Chaton, si. Ouais, un peu quand même. Il a la particularité de faire beaucoup plus de dégâts quand mes PV sont en dessous de 80. Donc, c'est pas mal en soi. Je pense que c'est pas mal. Bon. Allons voir, faisons un combat de ranking, hein. Je sais que j'aurai pas un très bon score forcément vu que j'ai aucun boost, mais bon, on va faire un combat comme ça juste pour voir s'il est si puissant qu'il n'y paraît. Voyons voir, alors. Ok, pour l'instant il y a des yokai très nuls, et en plus j'ai aucun yokai qui peut faire de boost, donc c'est encore plus nul que je ne le pensais. Et en plus, je joue très mal, donc c'est vraiment nul. Attendez, comment ça, là? J'ai jamais joué si mal que ça. Ah, mais c'est parce que je fais aucun dégât, en fait. Avec mon équipe, je fais aucun dégât. Ok, très bien. Ok. Parce que... Ouais. Ok, j'ai fait la fever beaucoup trop tôt. C'est pas du tout maintenant que je voulais faire une fever. Bon, bah tant pis, hein, on va en profiter quand même, hein. Allez, et j'ai même pas sirop, quoi, donc très bien, mais pas bien du tout, en fait. Vas-y. Allez. Là, je vais pouvoir... Ah, j'ai sirop, ok. Voyons voir, donc on va l'utiliser. Ok, bon, bah j'aurais fait quelques points. J'ai même pas fait 1 million, donc quand je dis que c'était vraiment pas super, c'était vraiment pas super, quoi, pour le coup. Voyons voir. Ah, mais j'ai pas encore moins de 80% de PV, en fait. C'est ça le problème. Pour l'instant, j'ai trop de PV. Faudrait qu'il me fasse un petit peu mal, là. Vous pouvez pas me frapper, là, les yokai ennemis? Ça m'irait si vous me frappiez. Pour une fois que je veux me faire taper. Allez. On arrive quand on a Multime, là? Bientôt, normalement. Très bien. Allez. Alors, voyons voir. Ok, on a Siro. On a Siro, c'est bien. On a lui. Ok. On a ça aussi. Non, mais je vais faire un score ridicule. Je vais vraiment faire un score très nul. Ça, je vous le dis. De toute façon, le but, là, c'était pas de faire un super score. C'était juste d'essayer un peu ce yokai. De voir ce qu'il valait. Bon, là, j'ai plein de slurpants. Mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est avoir un petit peu de... Voilà, de Melonian. Et que j'ai après la fin de la multime, malheureusement. Bon, eh bien tant pis. Par contre, il a l'air de faire quand même pas mal de dégâts, en fait, à partir du moment où j'ai pris des dégâts. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est la fin. J'aurai pas le temps de refaire une multime si... une fever, si. Bon, déjà, faut que ça se débloque. Oui, 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 je suis bien connecté. Si, 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 je vous le jure. Ok, c'est bon. Allez, allons-y. Ok, j'arrive pas à prendre le yokai que je veux, ce qui est très mauvais. Bon. Ouais, bah oui, si, mais... Attendez, voilà, ça c'est bien. Ça c'est pas mal.
Ok, donc toi tu y vas. Ensuite, on peut essayer de faire. Vas-y. Allez. Alors, je vais faire un score vraiment, vraiment ridicule. Hein. Ouais, j'ai un petit peu honte. Mais c'est pas grave. Et voilà. Ok, bon, je finis à même pas 4 millions de points. J'ai jamais fait un score aussi mauvais. Comment ça se fait? Bah c'est parce que j'avais aucun yokai déjà qui était de la tribu efficace contre lui, je pense. Mais y a pas de tribu efficace contre lui, c'est Enma. Ah oui, non. Oui, bah oui, bah aussi, si mon yokai il est niveau 1, ça va pas le faire aussi. J'avais oublié ce détail, j'avais oublié ce petit détail. Donc je suis combien tième? Oui, 1218, et je gagne quoi alors en étant 1218? Je suis pas si loin de l'avoir en plus, hein. Enfin, si je suis quand même à 500 places, hein, mais bon. Ok, bon. Tant pis. Eh bien, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo du Bingo Kai. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça n'aura pas servi à rien. Merci, Mélonian. Donc, eh bien, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!